Bonsoir à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo exclusive sur la nouvelle map, une des nouvelles maps, la superstar de la saison 2 de Call of Pigeon, avec notre ami Kojak et Xiang Fury. Bonsoir. Donc découverte totale, moi c'est mon premier Call of. Attends, on dirait interchange sur Tarkov, c'est un truc de ouf. Donc vraiment découverte totale. C'est la première fois que j'y joue à cette map et on dirait totalement interchange sur Tarkov. Il ressemble d'ailleurs. Donc on est en domination, ah, parce que on est en domination cette semaine. Et donc vidéo. Donc ça se passe dans un centre commercial si j'ai bien compris. Ouais, c'est un superstore, ouais. C'est une partie de la carte qui est dans les opérations. Ah, parce qu'il y a les autres maps sur les autres parties de la carte, c'est ça? Ouais, tu sais, dans opération, quand tu joues contre l'IA, tu as ce superstore, tu peux y accéder. Donc ils l'ont foutu en carte multi. Oui, c'est vrai, oui. D'accord, ok. Donc là, du coup, pour le coup, c'est innovateur. Il s'était pas dans d'autres Call of, c'était vraiment. Ouais. Ah ouais, non, c'est une nouvelle propre à Modern Warfare. D'accord. Donc le point. Ah, qui est donc à l'extérieur sur lequel livraison. Putain, je vais changer de. Je vais reprendre ma MP5 toute dégueulasse, mais qui fait le taf. La carte qui est assez grande hein, quand même. On va aller voir un peu coincé ce que ça donne. Ouais, il y a le côté végétation, j'allais dire le côté vergeture. Le côté végétation. Côté vergeture. Ah, le côté vergeture. Voilà. T'es dérangé toi. Ah, fatigué, il est minuit. Tac. Et alors, du coup, le côté C, bah, c'est à quelle livraison aussi. En fait, finalement. Hein. Et t'as le point B qui est proche du parking. Donc tous les quasiment. Regarde pour l'instant, B, C et A sont extérieurs et B aussi du coup, c'est ça? Ou presque. Non, B il est intérieur mais il est contre le parking. D'accord. On va regarder ça. J'en ai vu un courir. Ah, j'ai plus de balles. Ah putain, bah, c'est bon, il m'a tué, il m'a rendu service. Ça rend toujours service de tuer quelqu'un finalement. Il y a Dave. Du coup, la Dave qui va avoir un peu de mal à nous tuer dessus finalement. Parce que là, ah oui, quoi que non, il y a des belles. Non, le toit est ouvert. Un toit ouvrant, d'accord. Et nous, du coup, on peut pas le niquer. Ça passe. Est-ce qu'on peut le niquer? On va essayer de le niquer de là. Il a bougé ce bâtard. Regarde, tu peux monter sur les. Comment ça s'appelle? Store. Tout ce qui est les échafaudages, tout ça, tu peux monter sur. J'ai plus de balles. Ok, ouais. J'ai plus de balles, donc je vais y aller en lance-roquette. Voilà, je suis mort. On m'a rendu un bon service. Bon, en tout cas, ça fait du bien de voir une nouvelle map. Qu'est-ce que t'en penses toi Kojak là pour l'instant? Pour l'instant je la trouve pas mal grande. Les points sont pas proches les uns des autres, ce qui est pas plus mal d'ailleurs, c'est agréable. Il y a d'abord l'espace extérieur aussi. Hein. De cette carte, regarde un peu de partout. Tu peux monter vraiment assez haut hein, sur les trucs. Échafaudage, tu peux assez grimper. Hein. Oh, il y a des beaux couloirs. Hein. C'est un bloc en fait, c'est un beau bloc, mais qui est assez. Voilà. Ah, il y a de la hauteur, c'est vrai qu'il y a de la hauteur. Et t'as de la hauteur, puis t'as des bons couloirs. C'est à la fois corps à corps et puis à la fois longue distance. C'est pas mal. Il est pas mal.
On peut capturer en étant dans le. Et on peut capturer en étant dans le conduit, donc ça c'est important à savoir aussi. Je vais faire un tour un peu à l'extérieur là. Donc là on peut quand même faire le tour finalement de dehors, hein, non? Je sais pas si tu Non, on peux peut pas. passer par le parking. Non, on peut pas, je Non, tu confirme. peux pas, ça te met retour au combat. Bon, je t'arrive revenge. Du coup, et même du côté de C, on peut faire les longueurs par contre. Ça bloque au niveau d'un grillage. Là, donc tu me dis qu'on peut quand même aller dehors, mais il y a marqué retour combat. On va essayer. Ouais, Ouais, t'as 3-4 secondes, c'est tout. j'ai essayé de sortir, mais on me l'a mis dans le cul. Dans le cululu, comme on dirait dans mon pays. Tu vois, les missiles, ils passent. Putain, mais ils vont pas essayer de me sortir? Ok, retour au combat. Et la mine frappe de dispersion, ça passe par le toit quand même. Ouais, bah Donc ça, les je pense que vitres, c'est. Ouais. ça bloque pas. Hein. Je pense que c'est pensé pour. Donc, vous voyez, on peut prendre pas mal d'auteurs. Pour les snipers, ça va leur plaire. Hein, on peut. Il y a des bons coins pour camper. Hein. Ah ouais, là, c'est. Ah ouais, tu peux te mettre en hauteur et tu vois quand même une bonne partie de la map. Hein. Là, quoi. Putain, il est pas mort lui. Bon, sinon les deux nouvelles armes, ça, on fera une vidéo sur ça aussi. Hein. On va un peu parler de tout ça. Hein. Si ça vous plaît, en tout cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, abonnez-vous et surtout dites ce que vous pensez dans les commentaires du coup. C'est fait pour ça. J'interagis beaucoup avec mes abonnés. On va terminer la map hein, pour conclure sur là-dessus. Hein. De toute façon, on va montrer un maximum de gameplay. Tac. Je t'avoue, je suis un peu perdu des fois sur la carte. Hein. Ouais, on Je a vu. connais pas la carte, elle est tellement large, il y a tellement de carrés de passage que. C'est la première fois qu'on le fait, hein, je répète, hein, c'est vraiment. Ouais. Ah ouais, je savais qu'il y en avait deux. Je savais qu'il y en avait deux. Je vais essayer le MP7, on va voir. C'est une sorte de. Ouais, on retrouve Ikea, on retrouve un peu. On dirait Tarkov, on dirait là-bas. Panique aussi avec ta spéciale plus Vergeture. Vergeture, ouais. Toucher. C'est bon, j'ai eu le dab. Ils sont en train de nous reprendre les points là, donc on fait attention. Ouais, il nous remonte. On va sur B. Là. On a une 4. Je lâche le MP7 pour prendre la M4 et le mec me tue avec la MP7. Et ça a planté. Il joue beaucoup MP7. Hein. A planté pendant quelques P7, secondes. MP5. Franchement, les mitraillettes sur ce Call of, elles sont raides. Les mitraillettes sont des snipers. Putain, ouais, ça va être compliqué de reprendre les points. Ils sont solides là. Ils sont solides. Ouais, ils sont dans les angles, quoi. C'est ça. Et Bloc les ils ont couloirs. vite compris la map. Après, on va savoir, est-ce que cette map va être jouée sur quel mode du coup finalement? Domination? Je pense qu'en random elle est pas mal, après je pense qu'en MME ça va être long et chiant, tu vas te chercher longtemps. Est-ce qu'ils vont la faire en QG aussi? De toute façon elle sera dans tous les modes de jeu, C'est le c'est mode de sûr. jeu. Encore une adave. Après voir dans quel mode elle sera le plus intéressante. Et heureusement que j'ai sang-froid. La dave me tire dessus quand même. Tout le lancer, ça passe une fois sur deux. Je
j'ai eu la dame. Essayer de reprendre C. Il faut reprendre un point là. C'est vraiment sur le petit chargement quoi. Ah putain, ouais. Vraiment monter partout quoi, t'as vraiment de la mi-hauteur. Ouais, tu peux grimper haut, hein. Ouais. On est en train de se faire redescendre. La bête de perdre sur une vidéo, hein. Une vidéo vraiment qui est faite pour tout type de public. Hein. Une vidéo qui est faite vite fait pour vous montrer rapidement le gameplay. Vraiment, vraiment, vraiment camper comme une grosse pute. Ça se passe en Russie ou en Ukraine, on a un pays scandinave. Ils sont sur C. Ouais, j'y vais. Et voilà. Voilà. Donc, merci Kojak, merci Chiang de m'avoir accompagné durant cette petite vidéo. Vidéo bien sûr qui montre uniquement cette nouvelle map, hein, cette Atlas Superstore. Donc merci. Map fun, que ça redonne un peu d'oxygène à ce jeu d'arcade qui est Call of Duty. Moi je dis c'est cool, c'est bien. Map tranquille quoi. Donc voilà. Il y avait vraiment besoin d'avoir des nouvelles maps propres au jeu parce que franchement, nous ressortir des maps des anciens Call of, c'est sympa, c'est nostalgique, mais. C'est ça. Bon, c'est à nouveau quoi. C'est ça. Donc voilà, donc je vous dis à une prochaine vidéo. Abonnez-vous, un commentaire, dites ce que vous pensez. Ciao. Surtout du pognon. Ciao. Bonne soirée.